Monsieur le directeur, je vous le confirme, c'est le pilote qu'il vous faut. Il arrive directement de Polynésie. Il vient juste de sortir de convalescence. Bon, un triste accident de cocotier. Non, ce n'est pas lui. Oh, il a dû prendre du retard. Non, ce n'est toujours pas lui. Bon, il ne devrait plus tarder maintenant. Ah, ça c'est lui. Je reconnais bien sa technique d'atterro, tout en douceur. Par contre, son appareil, là, je sais pas trop. Bienvenue sur Makatea. Cette île est située à environ 200 km au nord-est de Tahiti. Ce n'est pas une île, mais un porte-avions. Elle est entourée de falaises de plus de 100 mètres de haut à certains endroits. Nous pourrions vous dire que l'exploitation du phosphate, fermée en 1960, était la principale ressource du début du siècle dernier. Mais nous avons choisi de traiter l'île à la façon hollywoodienne. En effet, elle fut l'objet d'un film, bien que le tournage fût effectué en grande partie sur Hawaï. C'est une romance sur fond d'aventure tropicale. Le pilote est un vrai pilote, même s'il est acteur aussi. Les gentils sont très gentils et les méchants sont très méchants. Le travail de conception fut considérable. Nous avons retraité l'altitude de l'île et posé sur cette dernière une piste de 450 mètres en herbe. C'est dans le film. À votre atterrissage, vous trouverez l'aire d'accueil pour les touristes, le bureau de la compagnie Tiki Airways, trois petites places de parking aéro, dont une pour le carburant. Si vous descendez la route vers la plage, vous pourrez trouver le complexe hôtelier, sa marina, les plages et bien sûr le bar. Ça fait rêver, hein ? Téléchargement anti-stress sur FSX France. À bientôt pour de nouvelles aventures.